présent, nous allons introduire un autre arbre très intéressant, tellement utile que il est pratiquement surexploité en zone tropicale de savane comme plante fourragère en particulier, parce que beaucoup aimé par les animaux, notamment les ovins et les caprins. Il s'agit de celui-là, de Pterocarpus erinaceus. Pterocarpus erinaceus. C'est un arbre qui peut atteindre facilement 10 à 12 mètres de haut. Hein. Bon, la cime n'est pas très touffue en général, comme on peut voir là, c'est assez dégarni. Par contre, les branches sont très très étalées en général, très étalées. Et donc, cet arbre, on va le trouver souvent en zone tropicale de savane. Hein. Vous pouvez voir ici, on est aux abords d'un endroit assez, disons, gravillonnaire. Hein. Hein, si on regarde le sol est assez gravillonnaire. Et puis, c'est dégagé ici. C'est vraiment une zone tropicale de savane. Et notamment, les clairières comme ça, quand on va aux abords, souvent, on va trouver cet arbre, qui est donc le Pterocarpus. Nous allons essayer de montrer un tout petit peu à quoi ressemble l'écorce. Hein. Alors, l'arbre même, en poussant dans la base ici, hein, c'est assez écailleux. On peut voir. C'est assez typique d'ailleurs. Hein. C'est des écorces, si on peut faire un gros plan là-dessus, c'est des écorces rectangulaires. Là, hein, assez rectangulaires, assez réguliers. Et donc qui forment un bois à la surface. Donc si on fait une entaille là-dessus, on voit la coloration est grise foncée. Hein. Je continue à creuser et on voit, disons, je rentre dans la chair de l'écorce même qui devient un peu rougeâtre, rouge bordeaux. Et si on continue à creuser même, on peut aller jusqu'à découvrir le bois à l'intérieur. Hein. Mais c'est un excellent bois. Hein. Dans le même registre d'ailleurs que par exemple Afzelia africana, le bois est très apprécié aussi en menuiserie. Mais en dehors de ça, on va voir les applications plus tard. Bon, voilà, on peut voir la chair de du bois, qui sort, qui est un peu plus clair. Voilà, une jaune clair. Hein, même si on ne voit pas le bois lui-même, hein, on peut voir ces morceaux qui sortent, qui sont assez clairs. Pour décrire la feuille, on va prendre ce rameau, disons avec des feuilles assez développées. Et on peut voir tout de suite que les feuilles sont disposées de manière alternée. Ça c'est une feuille, hein. Ça c'est une autre feuille, c'est des feuilles composées. Elles sont disposées de manière alternée. Hein. Voilà. Et si on regarde la longueur du pétiole, le pétiole c'est relativement long, hein. Tu as 4 cm de pétiole. Jusqu'à l'apparition de la première foliole. Et là, on peut voir que les folioles sont subopposées, c'est pas opposé. Et on peut voir que c'est une feuille, feuille composée imparipennée. Il y a une première paire de folioles, 2, 3, 4. Donc il y a 4 paires de folioles, plus une foliole d'extrémité là, qui donne le caractère imparipenné donc à la feuille. Donc, on va avoir 4 à 5 paires de folioles, plus la foliole terminale. Et les feuilles sont de forme assez variée. Hein. Celle-là, par exemple, elle est ovale. Tandis que celle-là, par exemple, elle est ovale. Ça, c'est légèrement elliptique. On peut rencontrer même des feuilles, disons, obovales. Hein. Celle-là, c'est ovale aussi. Voilà. Elles sont assez charnues, donc coriaces, avec des nervures assez évanescentes à la surface. Là, ma nervure évanescente est en relief au dos. On peut compter les paires de nervures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 paires de nervures. De nervures secondaires. Et si je regarde la largeur de la feuille, pleinement développée, ça vaut là 9 cm de largeur sur une longueur qui atteint, disons, d'aller... combien on va dire 13 cm hein, de long hein, avec une extrémité un peu rentrante là hein, la base on peut regarder cette base de la foliole est assez symétrique
Elle est un peu rentrante, donc c'est cordé, hein, qu'on peut voir. Et donc, cette plante va se développer, donc, et en général vers février, mars, avril, en saison sèche en tout cas, elle va se couvrir d'une quantité importante de fleurs qui lui donne l'apparence d'une plante ornementale d'ailleurs. On voit une disposition, hein, de ces fleurs. C'est vraiment des panicules plus ou moins dispersées, hein, éparpillées, panicules lâches. Hein, et si on regarde, chacune de ces. Enfin, on prend comme ça à tout hasard, hein, un de ces groupes de fleurs, on peut voir, hein, sur cette division, eh bien, on a jusqu'à 4, 14, 15, 17 cm de long, hein, là où il y a ce groupe de fleurs. Hein, donc il y a un épi là, 2, 3, 4, 5 épis, hein, sur la même branche. Hein, on le voit un peu partout là. Donc il y a vraiment de nombreuses fleurs. Hein, si on prend que ce rameau, je pense qu'il faut en compter des centaines, hein, de fleurs, hein, parce qu'elles sont disposées de manière groupée le long de ces petites branches. Et si on regarde la partie fleur même, donc si on prend les éléments de fleurs, on va prendre un qui se présente assez bien, les éléments de fleurs, et là il y a un long pédoncule. D'abord, disons qu'on peut comparer un pétiole, hein, qui est de l'ordre de 4-5 cm. Le pédoncule même proprement dit, qui porte la partie, sépale et pétale, c'est là, c'est de l'ordre de, disons, 4, non, un peu plus, hein, c'est de l'ordre de 7-8 mm. Et après, donc, on a les éléments de sépale, hein, si on essaie d'en décrire les détails. Les éléments de sépale, on peut voir là, hein, à compter par la tête, les bouts pointus. Je parle de la partie verte, hein, les bouts pointus. On en a un, deux, trois, quatre et cinq. Donc on peut dire qu'il y a cinq sépales. Et à l'intérieur, donc, ce que vous voyez qui ressemble à des papillons, ce sont les pétales qui s'ouvrent là, et on voit transparaître de nombreuses étamines qui sont très très fines. Et là, j'en compte autour d'une dizaine, hein, et le pistil au milieu. Donc, c'est les organes de reproduction de la fleur. Et donc, il y a de nombreuses fleurs comme ça qui, donc, avec le temps, donc le pollen va se déposer sur le pistil et la fécondation. Et donc, on obtient des fruits que vous voyez là aussi, qui sont des fruits très nombreux. Vous voyez là, hein, ce sont des éléments plats avec des bordures plus ou moins ondulées. Si on regarde, en fait c'est une aile plate, hein, une aile tout à fait plate, elle est ondulée, même s'il y a un noyau au central qu'on détecte là avec de longues épines qui ne sont pas encore très dures, mais à maturité ça peut devenir très piquant. Alors, si on regarde le diamètre de la partie aile, hein, bon, 6 cm ici, on va jusqu'à 7 cm, hein, on a rapporté aussi dans la littérature, et on voit ce qui était la fleur avant, hein, on voit disons les pétales, hein, qui ont blanchi ici. Que tout à l'heure c'était jaune, ça a blanchi et on voit le fruit qui est apparu au milieu justement. Et donc, si on regarde la partie centrale, le noyau là où il y a les épines, on peut en donner les dimensions, hein, c'est de l'ordre de, disons en hauteur ici, l'ordre de 2 cm, hein, sur une largeur de également 1,5 cm. Et donc c'est à l'intérieur de ça que se trouve la graine. Arrivé à maturité, en fait, ça va changer de couleur. Au lieu de ce vert, disons ce vert vif, ça va tourner dans le brun ou marron un peu clair. Hein, et donc, en ce moment, on peut avoir accès à la graine. J'ai coupé ce fruit. La graine n'est pas tout à fait à maturité là-dedans, mais on peut tenter d'ouvrir ça en enlevant d'abord ces épines qui peuvent s'enlever comme des poils ici parce que c'est pas vraiment très dur. Hein. Alors, si je casse les épines et je récupère avec mon couteau, j'essaie d'ouvrir l'enveloppe centrale. J'essaie de l'ouvrir. Alors, ça gratte beaucoup, hein. Il ne faut pas se frotter avec ça sur la peau. Ça gratte. Je ne sais pas si sur celui-là la graine est vraiment formée.
Mais c'est assez dur. La partie où se trouve la graine, elle est bien protégée à l'intérieur. C'est assez dur. Donc, je l'ouvre. On voit qu'elle n'est pas parfaitement formée. C'est pour ça qu'elle a cette couleur verdâtre encore, des cellules végétales très jeunes. Elle se casse là même. Voilà, donc j'enlève. En fait, j'ai cassé la fine enveloppe qui contient l'amande même. Mais on peut voir là, on a au moins la forme du fruit, une forme de rein. Hein. Et on peut en donner les dimensions aussi, qui sont les dimensions même du fruit à maturité. Une largeur de, disons, on va dire combien? 7 mm sur une hauteur d'environ 12 mm, 1,2 cm. Alors c'est très beau, justement. Vous voyez là, hein, comme une décoration artistique chinoise, hein, c'est très beau. Et il y a beaucoup d'utilisation de cette plante en dehors de la phytothérapie, où il y a de nombreuses applications. Eh bien, cette plante, Pterocarpus erinaceus, un bois dur et qui est très apprécié du fait que c'est un bois qui n'est pas cassant, c'est élastique, qui peut se plier, prendre différentes formes d'ailleurs. Voilà pourquoi les menuisiers l'apprécient beaucoup. C'est un très bon bois de qualité pour la fabrication aussi des meubles. C'est résistant aux insectes foreurs, aux termites. Et, bon, le bois même au cœur de l'arbre, hein, quand on taille donc, au cœur de l'arbre, du tronc, on trouve, disons, un bois qui est source de teinture rouge qu'on peut utiliser pour teindre les vêtements. Et aussi, on trouve les plaquettes de ça qui sont vendues sur le marché. Maintenant, la résine même de l'écorce est utilisée contre la diarrhée, la pharmacopée. C'est aussi un bon arbre mellifère. Donc, il y a beaucoup d'autres utilisations, notamment en pharmacopée, en phytothérapie, si vous voulez. Et puis, on va lister, hein, l'ensemble des usages sous forme de texte à la fin. Maintenant, nous allons donner quelques noms dans les langues locales. Pour Pterocarpus erinaceus, par exemple au Mali, hein, où en général donc les Bambara et les Malinké vont avoir le même nom pour cette plante, Beni ou Guenou. Hein, c'est le nom courant que l'on trouve aussi bien chez les Bambara du Mali ou les Malinké du Mali, et les Bambara du Sénégal, les Malinké de Burkina Faso, hein, qui vont dire aussi Beni, hein, ou Guenou. Les Djoulawa du Burkina, certains l'appellent Gbeniyiri, ce qui veut dire l'arbre du Guenou. Les Mossi du Burkina vont l'appeler Mwega, ou bien Mweka, ou bien Nweka, ou bien Noiga. Si on revient au Mali, eh bien, en Bobofi, ils l'appellent Nyini, hein, en Bois, Yeho, en Dogon, Waya, en Minyanka, Nyanyerenge, ou bien Nyanyaranga. En Peul, Bani, ou bien Banouhi, en Sénoufo, Nyanyerenge aussi. Et donc, ça c'est pour le Mali. On part en Côte d'Ivoire maintenant. Eh bien, les Baoulés vont l'appeler là-bas Mouinaka, ou bien Moudiabaka, ou bien Rovia. Ça c'est les Baoulés. Les Djoula vont l'appeler Surumbuni Suni. En Djerma, on dira Tolo. Eh bien, en Sénoufo là-bas aussi, Nyaraka. Nyaraka. Au Bénin, eh bien, en Nadja, ils vont dire Aoundia Hundi, ou bien Bariba, Tona Yarondou, Ba, hein, encore ils disent Ba. En Berba, ils vont dire Yessi Gouge, en Fon, ils vont dire Koso, ou bien Kagbe, ou bien Gbagbe. En Kotokoli, Tem, ils vont dire Tem. En Wama, Songa. En Yoruba, ils vont dire Akpekpe, ou bien Osundudu. Ça, c'est pour le Bénin. Au Niger, en Berbérie, ils vont dire Taou Vassa. En Naoussa, ils vont dire Mado Bihia ou bien Mado Biya. En Peul, ils vont dire Banouki. En Zarma, Tolo. Au Sénégal, hein, les Djola de Casamance vont dire Tikon. Ou bien encore Kanonaku. Ou bien Bouliet. Ou bien Keno. Les Mandingues de là-bas, on a dit, ils vont dire Guenou aussi. Hein. Et les Peul tout couleur, Bani Bani. Ou bien Bani Bani Bani. Ou bien Bani Balewi. En serrer, ils vont dire ban, ou bien boquette, ou bien ban. En saucer, ils vont dire keno,
ou bien Tieno en Tanda, ils vont dire Gadak. En Wolof, Wolof Lebou, ils vont dire Ben. Au Togo maintenant, ils vont dire en Akasselem, ils vont dire Buto. En Bassar, ils vont dire Butumbu. Voilà, donc ça, c'est quelques noms qu'on a tirés de la littérature pour indiquer cette plante merveilleuse qui serait excellente à cultiver, hein, et à reproduire pour ses nombreuses propriétés et ses vertus pour la foresterie.